Le Bureau central d'investigation judiciaire a procédé jeudi sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire au démantèlement d'une cellule terroriste composée de 3 individus partisans de l'organisation terroriste Daesh pour leur implication présumée dans la préparation de plans terroristes visant à porter gravement atteinte à l'ordre public. Les éléments des forces spéciales de la DGST ont mené les procédures d'intervention et d'interpellation dans des opérations séparées et simultanées ayant visé les 3 suspects âgés entre 19 et 28 ans à Souk El Arba, du Krab, Tenoan et Larache. Les perquisitions effectuées dans les domiciles des personnes arrêtées ont permis la saisie d'armes blanches, de nombre de manuscrits faisant l'apologie de la pensée extrémiste de Daesh et incitant à la violence, ainsi que des publications écrites retraçant les activités terroristes des groupes relevant de Daesh dans la région du Sahel, en plus du matériel et supports numériques qui seront soumis aux expertises techniques nécessaires. Les informations préliminaires de l'enquête révèle que les mises en cause, qui ont déclaré leur allégeance à l'organisation terroriste Daesh, planifiaient l'exécution d'une série de dangereux projets terroristes. À cette fin, ils ont préparé plusieurs contenus numériques relatifs.